Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, cette alerte météo qui sévit sur le nord, pluie, grêle et neige, la vigilance s'impose. Les éléments de la protection civile ont effectué plusieurs interventions ces dernières heures. J-1 avant l'ouverture du sommet du gaz, un sommet de tous les défis, souligne le ministre de l'Énergie. Le marché connaît des bouleversements sur lesquels nous reviendrons dans le journal. Le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz mobilisera les médias nationaux et étrangers. La radio nationale accompagnera l'événement. Tout est fin prêt au Centre international des conférences. Le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité dénonce la politique israélienne consistant à affamer la population à Gaza. C'était lors d'une séance publique sur la sécurité alimentaire dans l'enclave palestinienne. Par ailleurs, les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza piétinent, une situation voulue par l'occupation. Madame, Monsieur, bonjour. Le mauvais temps persiste sur le nord du pays. Pluie, grêle et neige jusqu'à demain jeudi, selon les bulletins météo spéciaux émis par l'ONM. La vigilance est de mise, notamment sur les routes, puisque de nombreux tronçons dans les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou sont impraticables. Ces dernières heures, les éléments de la protection civile ont effectué des interventions sur lesquelles revient capitaine Nassim Barnaoui, contacté par Sabine Lahsen. Au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, à travers les communes de Dra El Mizan et Flissen, il y a eu l'effondrement partiel d'un mur de soutènement d'une habitation et aussi l'effondrement partiel d'un faux plafond en bois d'une chambre d'une habitation. Il y a eu au niveau de la commune de d'Alger Centre l'effondrement partiel d'un faux plafond d'une habitation bidonville au niveau de la place Amara de Beh Sherif suite aux précipitations des fortes pluies enregistrées durant cette période. Et concernant l'état des routes qui sont coupées difficiles à la circulation. À Bouira, toujours les routes nationales 30-33, surtout au niveau de l'école de Tiroulda, ainsi que la RN33 au niveau de Tizinkoulen et aussi le col de Tiroulda concernant la RN numéro 15. Donc ce temps, cette perturbation persistera jusqu'à au moins demain jeudi. J-1 avant le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, le sommet des grands défis, a affirmé le ministre de l'Énergie. Ce rendez-vous constituera une opportunité pour passer en revue les dossiers de la coopération commune entre les pays principaux producteurs, a indiqué Mohamed Arkab, en vue de garantir la stabilité des marchés mondiaux du gaz et relever les défis. Des questions discutées entre les membres du Forum, mais également les pays observateurs qui seront à Alger. Sophia Boukercha. Un regroupement des plus grands producteurs et exportateurs de gaz. Ils sont au total 12 membres permanents avec un poids dans l'industrie gazière mondiale. Au sein du forum, ces membres peuvent adopter des décisions et fixer des objectifs. Lara Chegrouche, chercheur et directeur du Centre d'études nord-africaines. Les pays membres sont d'accord et soumis à respecter les objectifs qui ont été fixés lors du premier sommet. Essentiellement, c'est la défense de la part du gaz sur le marché. Le dialogue et la concertation sur le développement futur des gaz naturels, sur la défense du prix du gaz. D'autres pays sont membres en qualité d'observateurs. Leur rôle est consultatif. Leur présence permet d'enrichir les débats et de favoriser la coopération internationale. Ces observateurs peuvent éventuellement devenir des membres permanents. C'est des membres qui participent sans droit de vote. Par contre, ils adhèrent à l'ensemble des règles de ce forum. Ils participent au débat, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent soumettre leur adhésion en tant que membre titulaire ou membre de droit. Les enjeux de ce forum sont de taille. Les participants s'engageront dans un dialogue stratégique et des efforts de collaboration qui traceront la voie à suivre pour un avenir énergétique sûr et durable. Donc des enjeux importants face à un marché qui connaît des bouleversements, c'est depuis quelques temps, depuis quelques années déjà. Les explications de l'expert Mohamed Dachir, extrait de l'invité de la rédaction. Il y a la montée du GNL dans le marché mondial, il y a un début d'internationalisation du marché gazier, parce qu'il faut rappeler que le gaz a été toujours un marché régional, donc il y a surtout trois régions, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Mais maintenant, avec l'arrivée du GNL en force et des marchés libres, du spot, etc., donc il y a cet enjeu d'internationalisation du marché gazier, ça d'une part. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant aussi des confrontations sur le contrôle des sources énergétiques.
La souveraineté des pays sur leurs ressources énergétiques est une épineuse question qui sera discutée. L'Algérie, qui assure un contrôle total sur ses hydrocarbures, a pu développer un savoir-faire et une expertise dans le domaine gazier. Ses compétences sont très convoitées par les firmes étrangères. Hamza Belmadani. Le savoir-faire algérien dans le domaine de l'industrie gazière est très prisé à l'échelle internationale. Le profil des cadres algériens a été très recherché par les compagnies internationales grâce à leurs expériences et leur dévouement qui fait le fer de lance de la réussite de l'industrie gazière en Algérie. Comme l'explique Touati Hassani, retraité de la Sonatrach. Nos gars ont été recrutés par des multinationales pour lancer l'industrie gazière un peu partout dans le monde, dont le Moyen-Orient, Brunei, etc. Il se passait à cette époque, des années où les autres venaient de démarrer, entre 85 et 95, c'est que les gens venaient faire des recrutements ici à Arze. Dans chaque complexe, il y a toujours ce qu'on appelle les hommes clés. Je vous prends le cas de la Camel où j'ai débuté, où beaucoup de travailleurs, pendant la construction de leur usine, les gens les mettaient pendant plus d'une année en formation. Et c'était aussi une usine test. En matière de canalisation et transport des hydrocarbures, les ingénieurs algériens ont côtoyé les Anglais en 1964 pour la réalisation du premier oléoduc reliant Hassim Saoud à Arze. Mustapha Jabour, ancien cadre de la RTO, l'une des premières filiales de Sonatrach à Arze, se souvient de la volonté des cadres et employés algériens qui ont travaillé jour et nuit pour acquérir un véritable savoir-faire dans ce domaine. Ils ont commencé du côté d'Arze par le terminal et les bacs. Où les Algériens, la ligne à côté de Hassim Saoud, toujours avec les Algériens en double. La base où il y a le matériel de rechange, de maintenance, etc. Et il y a un travail colossal. 66, quand nous avons à plein, le premier oléoduc qui a tracé la première ligne qui sera suivie par les 5 pailles. Par la suite. Doron, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chant 3. S'agissant à présent de la couverture médiatique de ce 7e sommet du gaz à Alger, la presse nationale et étrangère est mobilisée. La radio nationale est fin prête pour accompagner l'événement avec une nouveauté pour ce rendez-vous annoncé par le directeur général de l'entreprise, Mohamed Borali. La nouveauté par rapport au sommet arabe, c'est cet espace dédié à la vidéo. Donc c'est un espace qui va permettre à tous nos collègues dans toutes les chaînes de proposer des programmes en streaming vidéo ou en live streaming vidéo. Donc, et c'est grâce à nos collègues de la DSTE. Je profite aussi de l'occasion pour remercier nos amis du Centre international de presse qui ont fait un très beau travail et puis aussi nos amis du CIC qui nous ont offert tout ce qu'on voulait comme espace. La Radio Nationale sera là pour participer à assurer une bonne couverture à cet événement international. Et on pourra suivre ensemble à partir de 13h un entretien spécial concernant les défis géostratégiques du gaz. Le Conseil de sécurité a tenu une séance publique sur la sécurité alimentaire à Raza à la demande de l'Algérie et de 3 autres pays. Dans son intervention, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU a dénoncé la politique de l'occupation israélienne qui utilise la faim comme une arme contre les civils. Amar Benjamah. La puissance occupante israélienne utilise la famine comme méthode de guerre. L'objectif de cette politique étant de forcer la population gazaoui à perdre espoir, à perdre sa dignité. Il s'agit de la forcer à avoir recours à la violence. Il s'agit d'imposer un effondrement du droit et de l'ordre. L'offensive qui a cours à Gaza n'est pas en réalité une guerre menée contre le Hamas. Il s'agit plutôt d'imposer un châtiment collectif à la population civile palestinienne. Notre silence donne à Israël le droit de tuer et d'affamer la population palestinienne. Le Conseil doit urgemment lancer un appel. Le Conseil doit urgemment exiger un cessez-le-feu, étant donné que notre passivité nous rend complices de ce crime. La famine qui a fait 2 nouvelles victimes parmi les enfants, 2 nourrissons morts de déshydratation et de malnutrition. L'armée d'occupation empêche l'acheminement des aides alimentaires et plus généralement humanitaires. L'immunité abusive dont bénéficie l'entité d'occupation a été dénoncée par le représentant permanent de l'Algérie auprès des organisations internationales à Genève en marge de la 55e session du Conseil des droits de l'homme. Rachid Bledhen.
L'immunité abusive accordée à l'entité sioniste qui échappe jusqu'à présent à toute poursuite et punition de ses crimes l'a poussé à poursuivre son oppression et sa tyrannie au moment où plusieurs parties œuvrent pour parvenir à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Arrêter le bain de sang et acheminer les aides humanitaires aux civils, poursuit la construction des colonies, les déplacements forcés des Palestiniens à la famine et préparer l'invasion des régions surpeuplées dans la ville de Rafah et le sud de la bande de Gaza. L'Algérie fait partie du groupe international et redouble d'efforts pour arrêter cette agression. L'Algérie confirme son plein soutien accordé à l'État de la Palestine, la qualité de membre à part entière au sein des Nations Unies. Et certains pays occidentaux ont révisé leur position et alertent à présent au sujet de la situation humanitaire à Gaza. C'est pour calmer la grogne populaire, selon les explications de l'analyste politique Michel Collomb. Il est contacté par Rabea Slimani. Ce qui les dérange, c'est que leur image morale soit dégradée dans l'opinion internationale. Donc, ils essayent de faire en sorte que Netanyahou puisse continuer son travail, bien qu'il est en train de perdre la guerre, il n'obtient aucun des résultats souhaités. S'ils voulaient que la situation humanitaire s'améliore, il suffit de cesser d'envoyer des armes à Netanyahou. Je pense que vous ne pouvez pas vaincre un peuple qui défend sa terre et qui est prêt au sacrifice. Je pense que la véritable force est du côté des peuples et que ça doit nous donner confiance, c'est-à-dire que petit peuple avec des armes limitées est capable de vaincre la plus grande puissance militaire du monde. Les négociations pour aboutir à une trêve piétinent car un accord signerait la fin de Netanyahou selon Michel Collomb. La seule manière pour Netanyahou de s'en sortir et de ne pas aller en prison, c'est de maintenir et de prolonger la guerre en essayant d'obtenir un objectif. Mais même les experts et ses conseillers des services de sécurité qui disent que c'est impossible en essayant d'éviter Gaza des Palestiniens. Ça ne marchera pas. Mais le problème, c'est que les Palestiniens encaissent des souffrances et des sacrifices terribles. Et donc la question est surtout, qu'est-ce que nous faisons au niveau international pour mettre la pression maximum sur les dirigeants des États-Unis et de l'Europe pour que ça cesse? Le président américain avait évoqué une trêve d'ici lundi, une annonce qui surprend les responsables israéliens selon leurs propres mots. Le gouvernement de l'occupation ne semble pas être prêt à stopper son offensive. Karim Abnour. Si les négociations aboutissent, nous allons retarder l'opération contre Rafah. Sinon, on va attaquer bientôt. Ce sont les derniers propos de Netanyahou qui traduisent ses intentions. Oussai Hamed, politologue à Ramallah. Je pense que Netanyahou pratique une vraie politique de tromperie. Il tergiverse dans les négociations. Il sait très bien que le fait d'accepter les conditions du Hamas signifie sa défaite et celle de son équipe dans cette guerre menée contre Gaza. Il pense qu'il est un pas de la victoire s'il envahit Rafah. Et selon lui, les dirigeants du Hamas et les prisonniers se trouvent à Rafah. Et c'est pour cette raison qu'il essaye de gagner du temps et de leurrer Hamas. Netanyahou a aussi pour but de chasser les Gazaouis de la bande. La résistance a une longue expérience avec l'occupation et sait très bien comment réagir. Walid El Houdeli, politologue et écrivain à El Quds. Les personnes qui connaissent le mieux la personnalité des sionistes et de leurs décideurs sont les résistants palestiniens. Netanyahou a plusieurs visages et plus d'un langage et il vise les prochaines élections dans l'entité. Le dialogue est sur le terrain à travers les opérations de la résistance en tuant un grand nombre de soldats sionistes. C'est ce qui va déterminer les prochaines étapes. D'ailleurs, ils cachent le nombre énorme de leurs morts. L'autre fait marquant, c'est le soutien de la population à la résistance. Au Sénégal, après deux jours de discussion, le dialogue national convoqué par le président Macky Sall a rendu ses recommandations, notamment la tenue du premier tour de la présidentielle le 2 juin prochain. Rencontre ce mercredi entre les ministres des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie en Allemagne pour des pourparlers de paix entre les deux pays. Le mois de Ramadan, c'est dans quelques jours. Dans cette perspective, les médecins sensibilisent sur les maladies chroniques. Ils sensibilisent notamment les personnes atteintes de diabète au sujet du jeûne. C'est le cas à Oum El Bouaghi, nous dit Nasser Benissam.
Le PH Ibn Sina de Mulbouagi organise depuis ce matin au niveau du musée du Moujahed une journée d'études et de sensibilisation sur le diabète et le ramadan sous le signe « Un jeûne sécurisé et sans complications » avec au programme des communications de spécialistes dans le domaine mais aussi d'un inspecteur principal des affaires religieuses. Dr Sabri Mohamed Najib, spécialiste en diabétologie à l'EPH Ibn Sina, nous a déclaré. Concernant le ramadan, les changements qu'il y a à faire pour tous les patients, les mesures de prudence en période du mois sacré, est-ce que votre médecin vous autorise à faire le jeûne ou non? C'est un thème scientifique très sensible concernant tout le monde. Et comment prendre votre traitement au sein de Ramadan, ainsi que tout ce qui est alimentation, les mauvaises habitudes alimentaires, tout ce qui concerne le diabétique de près et de loin concernant le mois sacré. De son côté, Zrari Mouna, nutritionniste au même établissement, a expliqué qu'il y en a beaucoup de patients diabétiques qui veulent pratiquer le jeûne pendant ce mois. Donc on est là, une toute équipe médicale et paramédicale qualifiée pour donner aux notre patients des idées et comment pratiquer le jeûne pour être saine au mois de Ramadan. Je suis une diététicienne, je vais entamer la prise en charge totale diététique des patients pendant le mois, comment faire notre repas de iftar, de sahur et un petit repas entre les deux, comment on va faire les besoins nutritionnels, les besoins glucidiques, protéiques. De Mulbouagi, Nasser Benessan pour Algichène 3. Et dès ce vendredi, la prière hebdomadaire pourrait être accomplie à la grande mosquée d'Alger, Jamaa al-Jazayer, qui sera desservie par les autobus de l'Etusa à partir du 1er mars. Essia Zaidi, chargée de communication à l'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger. À compter du 1er mars 2024, l'ETUSA a mis en place un dispositif de 49 bus répartis sur 13 lignes pour assurer le transport des fidèles. Deux minibus PMR ont été également déployés pour faciliter le déplacement des personnes à besoins spécifiques. La réservation de ces derniers se fait au préalable auprès de notre poste de commandement sur le numéro 0555 02 65 94. Des contrôleurs seront sur place pour orienter, guider les fidèles, ainsi qu'une distribution de brochures contenant les informations nécessaires, ainsi que le programme de transport vers la mosquée d'Alger. Les premiers départs seront à partir de 9h30 du matin et les retours à partir de la grande mosquée à 15h30. Direction le centre culturel de Chenois à Tipaza qui abrite actuellement une exposition de tableaux intitulée Génocide à Gaza. Sidali Fares. C'est une chanson pour... Une exposition qui met l'accent sur le génocide qui se déroule à Gaza, marqué par le déracinement, l'exil, la guerre, la violence et la lutte. L'artiste Jamila Pepsia. Je pense que la guerre de la Palestine ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons été toujours en solidarité avec eux. On ne trouve plus les mots qui peuvent décrire ce chaos et toutes ces atrocités, ces crimes insoutenables et tous ces enfants orphelins. Est-ce que c'est votre première exposition sur la cause palestinienne? En 2009, un événement qui a été organisé à Cherchel en collaboration avec l'ambassade de Palestine. Vous avez exposé combien de tableaux dans cette exposition Génocide à Gaza? J'ai participé avec 48 tableaux qui ont pour titre l'évasion, l'égaré, la trahison, le mensonge, le chagrin, l'apocalypse, la violence, l'indignation, la dévastée et d'autres. Et le style de dessin? Abstrait et semi-abstrait. C'est une peinture dans laquelle on utilise une seule couleur, on dégrade. L'artiste Jamila Babsia a écrit un poème hommage à Gaza. Des barbelés en feu ligotent les regards surpris par l'amnésie d'hommes rescapés de la barbarie, mais qui cherchent à en faire leur premier héritage. Des faces livides et cadavériques trouvent la force inattendue de crier pour tordre les pointes acérées de l'indifférence. Une lueur s'exprime timidement derrière la bêtise gonflée en ambition et ce parent de diadème sombre d'une histoire qui a honte d'elle-même et blêmie, ne pouvant même plus rougir. Pourtant, Jamila Abbasia dilue autant qu'elle peut sa rage dans un flou qu'autorise encore son trop-plein d'humanisme. L'exposition Génocide à Gaza de Jamila Abbasia se poursuit au centre culturel Abdou Absalim à Chenois, wilaya de Tipaza. Ah, c'était la dernière page de ce journal réalisé par Douane CSI. Il y avait au magazine Hakim Abdelghafour et Yassine au live streaming. Mourad était à la console technique et Nisrine à la régie d'antenne.